Oui. Mais je n'ai pas senti ça comme un test. Non. J'ai senti ça comme, mon Dieu, pourvu que je parvienne, pourvu que je réussisse. Par contre, tu as eu des cours de judo, de lutte, de self-défense, pilotage d'une moto, natation, des choses comme ça. Enfin, j'ai relevé ça en voyant le film. Plongée sous-marine. Oui. Bon. C'est facile, plongée sous-marine, un quart d'heure de piscine, t'apprends le matériel, c'est fini. Hein. Non, c'est si tu le dis. Par contre, allez. La moto, place de l'étoile, pour avoir le permis de conduire, ça, je paniquais vraiment. Ah, d'accord. Alors le judo, bah, c'était une très belle aventure dans ma vie, puisque... les bagarres, c'est moi qui les ai constituées, qui ai choisi les mouvements avec mon professeur de judo. J'avais des entraînements deux fois la semaine, deux à trois heures, deux après-midi, avec des champions d'Europe. Et en Belgique, quand j'ai poursuivi, eh bien, j'ai très rapidement obtenu ma ceinture noire et j'ai été présélectionné équipe nationale belge dans les cinq meilleurs Belges, moi de 63 kilos. Il y avait deux qui étaient vraiment meilleurs que moi. J'ai jamais été international et j'adore la compétition, mais le loisir avant tout. Il fallait que je sois à Bruxelles tous les week-ends pour l'entraînement national, à Liège pour l'entraînement provincial, dans mon club deux jours, parce que le prof était à l'armée, donc je remplaçais le prof, et ça a été je suis retourné à mes amours qui sont l'athlétisme. D'accord. Deuxième